Voici un petit exercice pour illustrer la manière de déterminer un coefficient de transfert, transfert de matière. Vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué, mais c'est simplement pour illustrer la méthode de calcul. Alors, on suppose que l'on s'intéresse à la chute d'une sphère dont on connaît à la fois la masse volumique et la taille dans un liquide légèrement visqueux. Donc, vous voyez qu'il a la masse volumique de l'eau, mais une viscosité à peu près 10 fois supérieure. Alors, comme il s'agit de la chute d'une particule sphérique, on va utiliser la détermination de la vitesse de chute en régime de Stokes. En toute rigueur, il faudrait vérifier que l'on est bien en régime de Stokes, ce que l'on peut faire d'ailleurs ici, puisqu'on est capable de calculer la valeur du nombre d'Archimède. On a toutes les informations sur les masses volumiques, diamètre de particules, viscosité, et on trouve en fait que le nombre d'Archimède il est à peu près de 1, et donc on est effectivement bien largement en régime de Stokes avec un nombre d'Archimède de cette valeur. Donc on va pouvoir utiliser la relation qui est rappelée ici pour calculer la vitesse de chute de cette particule dans ce fluide. Alors on cherche à calculer la conductance de transfert de cette particule solide dans le fluide, et on suppose que la diffusivité, il y a certainement une espèce transfère de la particule vers le liquide ou l'inverse d'ailleurs. Donc on suppose que la diffusivité de cette espèce qui transfère, elle est de 10⁻⁹ mètres carrés par seconde, ce qui est un ordre de grandeur tout à fait classique dans une phase liquide. Alors, première chose, on va sélectionner la corrélation qui correspond à notre situation. Donc c'est celle-ci tout simplement, puisqu'on a une particule sphérique au sein d'un fluide. Donc on va pouvoir utiliser cette corrélation pour déterminer le coefficient de transfert qui est ici caché dans le nombre de Sherwood. Alors comme il s'agit d'un transfert au niveau d'une particule, la longueur caractéristique utilisée c'est le diamètre des particules au niveau du nombre de Sherwood. Et bien sûr au niveau du nombre de Peclet, c'est aussi cette même longueur caractéristique que nous allons utiliser. Quant à la vitesse caractéristique, vous vous doutez qu'on va utiliser la vitesse terminale de chute qu'on aura pu calculer à l'aide de l'équation correspondant au régime de Stokes. La diffusivité, elle a été donnée dans l'énoncé, donc on va pouvoir faire le calcul de manière extrêmement simple. Alors je vous donne simplement les résultats pour que vous puissiez vérifier lorsque vous allez faire de votre côté le petit calcul. Donc au niveau de la vitesse terminale de chute, on est à 2,8 × 10⁻³ mètres par seconde, donc une chute relativement lente, assez logique dans un fluide visqueux comme ça. Et puis, pour ce qui est du coefficient de transfert, donc en utilisant la corrélation qui est ici, on va trouver 4,7 × 10⁻⁵ mètres par seconde. Donc vous voyez sur ce rapide petit exercice qu'une fois qu'on a la bonne corrélation, qu'on a toutes les informations, le calcul du coefficient de transfert est extrêmement simple. En réalité, la difficulté, c'est de trouver la corrélation qui correspond à notre situation. Donc je vous renvoie à ce que je montrais au niveau des différentes nombreuses corrélations possibles. Et puis aussi, trouver les paramètres, avoir toutes les valeurs des grandeurs, masse volumique, viscosité, coefficient de diffusion dans les conditions du système. Donc c'est finalement cette recherche-là qui va éventuellement prendre un peu de temps. Le calcul proprement dit du coefficient de transfert, lui, est extrêmement simple.